comment je commence ce vlog. Il est un peu légèrement 11h10. Je voulais aller à la salle plus tôt, mais j'ai pas réussi. En gros, je me suis réveillée vers 8h, vu que mon copain se réveillait, qu'il avait l'heure de tout ça. J'ai pas réussi à me lever, du coup, je me suis endormie genre jusqu'à 9h30. Et après, j'ai pris mon petit déj dans mon lit, et après, j'avais pu en sortir. Il faisait trop froid en dehors du lit. Bref, du coup, là, j'y vais, mais ça m'embête un peu, c'est un peu tard, entre guillemets. Parce que mon copain finit à midi et du coup là je sais pas si je serai de retour à midi. Bon là je fais abdo cardio donc c'est assez rapide, ça va. Parce que je suis pas du genre à me faire des séances de 2 heures de cardio, hein. Non merci. Hello, je vous retrouve, il va être 14h, j'ai mangé, voilà. J'ai mangé des restes de patates et de raclette avec une petite salade de tomates. Là il y a la lumière allumée, il fait toujours aussi moche dehors, franchement c'est déprimant quoi. Pour les derniers jours de vacances, franchement c'est horrible. J'ai commencé une nouvelle série, c'est The End of the Beep World sur Netflix qui est sortie aujourd'hui. J'ai déjà regardé 2 premiers épisodes, ils durent genre une vingtaine de minutes les épisodes, donc ça va, c'est plutôt rapide. Mais là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller monter, hier j'ai filmé du coup 2 vidéos, je vous l'avais dit. Je vais les monter comme ça, ce sera fait, je vais monter le vlog d'hier. Voilà, ça va être, là j'ai du coup 3 montages à faire, comme ça je m'avance. Et comme ça je suis plutôt tranquillou. Et il faut aussi absolument que je range mon dressing. Mais en gros ce que je dois faire c'est que je dois tout sortir et tout ranger. Donc ça va être assez long. Donc voilà, je ferai ça sûrement après ou je commencerai pendant que mes vidéos chargent. Je sais pas encore comment je vais m'organiser mais il faut le faire. Bon, je viens de monter la vidéo qui sera en ligne lundi. Du coup elle est en train de charger. Oui, je me suis toujours pas douchée. Je voulais vous montrer, mince, qu'est-ce que j'en ai fait, j'ai reçu hier, je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié de vous montrer des nouvelles lunettes du site Le Petit Lunetier et un autre petit colis. Alors pour les nouvelles lunettes, en fait ils font une opération à partir d'aujourd'hui, c'est des pré-soldes, donc à partir d'aujourd'hui vendredi jusqu'à mardi minuit. Il y a des soldes sur le site jusqu'à moins 50% et j'ai un code promo de 30% et le code promo est cumulable avec les soldes, ce qui peut vous faire jusqu'à moins 80%. Et j'ai reçu des lunettes lumière bleue, je les trouve trop cool. Bon là je trouve que ça me va pas trop les lunettes genre avec les cheveux tachés et tout, du coup il y a les reflets bleus puisque c'est des lunettes lumière bleue, mais je les trouve trop jolies. Il y en avait des autres que je voulais sur le site mais elles étaient plus dispo, donc voilà, je vous remettrai mon code promo, c'est EMMA30 tout simplement, en barre d'infos avec le lien du site. Et j'ai reçu une box, donc c'est la Birchbox, ça fait un moment que je l'avais demandé sur Octoly et je l'avais toujours pas reçu. Franchement c'était hyper long parce qu'il me semble qu'à la base je devais recevoir celle de Noël, mais vu qu'on est en janvier, si c'est celle de Noël qui m'a envoyé, c'est un petit peu en retard, donc on va voir. Là il y a écrit woman, woman, woman. Et oui, il faut que je range les habits, mais je veux les ranger une fois que mon dressing sera rangé. Donc oui, c'est bien celle de janvier parce qu'il y a écrit vos rendez-vous de janvier, donc je pense que oui. Bon, je vais pas tout regarder parce qu'il y a tous les produits qui sont notés là. 3 mois de coaching sportif offert, coach club, I love my body. C'est trop cool ça. Bon après, à voir si faut pas s'engager plus que 3 mois pour avoir les 3 mois gratuits. Ensuite, qu'avons-nous? Ensuite, on a une poudre bronzante, mais c'est dans un tout petit truc comme ça, c'est trop bizarre. C'est emballé. Ah ouais, ok, c'est pas juste une poudre bronzante en fait. Enfin, personnellement, je ne mets pas ça comme bronzer. À voir, je pense plutôt que ça, j'utiliserai comme blush. Et c'est hyper, hyper irisé, donc pas trop le truc que je mets souvent. Ensuite, qu'est-ce que c'est? The Next Level of... Ah, c'est un savon naturel, vanille et charbon. Il sent assez bon, ça va, mais pareil, c'est pas du tout le genre de produit que j'aime trop utiliser, que j'utilise en fait. Ensuite, ça, c'est cool. De la marque Glove, on a Magic Pad, donc c'est un disque démaquillant en fibre. Donc je sais pas si vous allez voir. Et c'est le genre de truc du coup que vous lavez. Ah, c'est trop bien. C'est comme en fait mon espèce d'éponge que j'ai de chez Yves Rocher. Voilà, vous faites juste à l'eau. Et ça, j'adore ce genre de produit, c'est vraiment trop cool. Ensuite on a un liquid eyeliner de la marque Eyoko. Donc je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà des eyeliners en cours et que j'en mets pas souvent. Ensuite on a un soin démêlant aux agrumes et néroli. Ouais, ça sent bien le citron en tout cas. J'utilise pas beaucoup de démêlant, mais ça c'est pratique à emmener en vacances. Très pratique ce petit format. Et ensuite on a une mousse de douche. J'avais déjà reçu une de chez Sephora. Et j'adore ce genre de petits produits. Donc voilà, et pareil, le format plutôt pratique à emmener quand vous partez en vacances et vous voulez pas emmener un gros gel douche.
Donc voilà pour la box. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je m'attaque absolument au rangement. Du coup, je vais prendre le Chromecast et continuer à regarder, je pense, la série que je regardais. Je vais mettre ça sur la télé dans la chambre. Et d'ailleurs, la box orange, enfin le truc pour regarder la télé, quoi, dans la chambre ne marche plus. Genre, il n'y a même plus l'heure qui s'affiche. Vous verrez peut-être pas, en fait. C'est un peu chiant parce que le coup, je voulais regarder des trucs en replay, ben... ça marchait pas, donc je comprends pas trop pourquoi. J'ai essayé de redémarrer, d'enlever l'espèce de carte, de redémarrer la box tout court, enfin bref. Je sais pas, j'avais envoyé un message sur Twitter, enfin j'avais mentionné Orange et aucune réponse. Bon, c'était dans la période des fêtes, on va dire, mais quand même. Bon, du coup, je voulais vite fait vous montrer pour les lunettes lumière bleue que je retrouve, celles que j'ai pris. Voilà, j'ai pris celles-ci, les Anabe Silver. Donc, on va les ajouter au panier. Vous pouvez même les essayer, ça c'est plutôt cool. Ensuite, il faut valider la commande. Bon, celles-ci, elles sont pas en promo, hein. Et c'est ici qu'on met mon petit co... Ah, j'ai raté. Et voilà, voilà. Et je voulais vous dire un truc aussi, il y en a plusieurs qui m'ont demandé quand est-ce que je passais dans l'épisode de Plus belle la vie. C'est l'épisode du jeudi 18 janvier, voilà, pas en avance, hein, ça, le 18 janvier c'est la date qui passe à la télé sur France 3. Donc voilà, je passe dans la scène, je crois que c'est, ils nous l'ont donné carrément. Normalement je passe dans la première séquence de l'épisode, voilà, c'est l'épisode 3454. Sachant que moi, celui que j'ai regardé aujourd'hui, c'est l'épisode 3447, donc c'est bientôt. Ce que je regarde en avance, c'est, vous me demandez tout le temps, je regarde sur le site IPBLV, voilà. Bon, j'ai monté mes deux vidéos, je vous avoue que j'ai fini mes chouchous et que j'ai pas fait mon dressing, mais là, je vais l'attaquer. Donc, j'ai déjà sorti, là, il y a des sweats, mes maillots de bain, serviettes de bain et tout. Et là, je vais sortir aussi tout l'étage avec mes... truc de sport parce qu'il faut que je mette dans deux étages parce qu'il y a vraiment trop de trucs et c'est la galère, voilà. Du coup, gros tri s'impose et toujours devant Netflix. D'ailleurs, il a cru que j'étais partie, donc là j'en suis à l'épisode 7. Et il y a combien d'épisodes? Oh, il y en a que 8. Oh non, tristesse. Bon, niveau affaires de sport, c'est déjà mieux. Il n'y a pas beaucoup de leggings en fait, il y en a plein qui sont dans le tas que vous avez vu tout à l'heure sur le canapé. Là, du coup, j'ai mis tous mes t-shirts. Pareil, il en manque plein parce que genre des débardeurs, là j'en ai deux alors que normalement j'en ai d'autres. Et faut que je range aussi les pyjamas parce que là c'est n'importe comment. Je crois que j'ai vraiment trop de pyjamas, sachant que j'ai déjà rangé tous les pantalons et qu'il m'en reste encore... qui sont lavés, quoi, enfin il y en a trop partout. Ça y est, les pyjamas c'est rangé, du coup là il y aura des jogging et il y en aura là aussi, du coup ceux que je rangerai qui sont là-bas. Là c'est mes t-shirts et là c'est les shorts, mais ça c'est un peu chiant, là ça va, je vais pas trop en mettre des shorts vu qu'il fait un peu froid, mais en fait c'est tellement petit que dès que t'en tires un c'est la catastrophe, quoi. Voilà, pareil pour les leggings quand t'en prends. Voilà quoi, c'est bien une fois que ça vient d'être rangé, mais ça reste pas souvent longtemps comme ça. Je viens de finir la série. Sinon, je pense que je vais faire un tri. En fait, j'ai plein de t-shirts blancs comme ça, avec des écritures et tout, parce qu'avant j'étais en partant avec Rad. Et en fait, j'en ai trop. Enfin, je pense que je vais en virer ou je sais pas ce que je vais faire, mais il y en a beaucoup, quoi. Voilà. Du coup, il y a trop de trucs à trier. Et du coup, là, je sais pas ce que je vais regarder. Peut-être que je vais trouver des petites vidéos sur YouTube. Et puis voilà, voilà quoi. Je ne sais pas si je vais y arriver un jour. Bon, ça avance doucement, mais sûrement. Le pire, c'est les petits hauts comme ça, vous voyez, genre les petits body, les petits trucs. Ça, c'est hyper chiant à ranger. Sous des astuces, je suis preneuse. Où il y a des petits hauts, bah là, je sais pas si j'en ai en matière en fait qui glisse et c'est trop chiant. Bon, alors, c'est déjà mieux, mais j'ai un problème en fait. Ça, c'est tous les tout petits hauts. Faudrait que je fasse un tri, mais là je voulais juste ranger, du coup là tous les hauts je les ai mis là. Il reste encore à peine de place, mais le problème c'est que j'ai pas pensé que j'avais plein d'habits là-bas encore à ranger. Voilà, bon, les pulls ça prend trop de place, quoi, là il y en a 5, le truc il arrive déjà limite au-dessus. Enfin bon, voili voilou. Genre problème, il y avait des autres pulls là-bas, du coup là c'est complètement plein.
de chez Plein et il me reste encore sous ça, c'est super. Bon, et comme je perds toujours des chaussettes, là je suis en pleine reconstitution de chaussettes, mais il y en a toujours qui restent seules. On ne sait pas pourquoi, mais il y en a qui retrouvent jamais leur paire. Voilà. Ah, celle-là elle est bien. Enfin bon, c'est la vie quoi. Là par exemple, il y en a trois, on ne sait pas pourquoi. La Nike, pareil. Et j'ai perdu presque, enfin pas mal de Nike et d'Adidas, comme par hasard quoi. Ça peut pas être une vieille chaussette, enfin si, là j'en ai perdu une, mais voilà quoi. Genre celle-là elle est immonde. De chaussettes, je sais même pas si je vais la garder, ça sert à rien. Enfin voilà quoi. Bref. Du coup j'ai des chaussettes seules au monde. Bon, je sais pas comment je vais m'organiser, mais faudra vraiment que je fasse un vrai tri et que j'aie des... Parce que mes petits hauts d'été j'en ai plein. Et le problème c'est qu'ils me plaisent plus pour la plupart, mais j'arrive pas à les mettre de côté. Puis je me dis que je pourrais pas trop les vendre parce que il y a des trucs, c'est des petits hauts très courts. Et c'est pas le genre de truc qui se vend quoi, après je pourrais les donner. Enfin voilà quoi. Mais en fait le truc c'est surtout en hiver qu'il n'y a pas de place. Parce que les pulls après en été je m'en fous. Enfin je peux les mettre tout en haut. Je peux les mettre dans des sacs ou n'importe où. Mais là les petits t-shirts je les laisse quand même à portée de main. Parce qu'en soirée tout ça ça peut être utile. Enfin bon. Voilà. Plus le dressing est grand plus on les remplit. De toute façon c'est toujours ça. Parce que chez mes parents j'avais pas beaucoup de place pour ranger mes affaires. Et ça tenait à peu près dedans. Et là ça tient plus alors que j'avais beaucoup beaucoup moins de place que ça. Bon, j'avais encore tout ça d'habits de sport à ranger. En tout cas, je vous laisse pour ce vlog. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.